Salut, je viens d'aller voir Ant-Man, Quantum Mania, sur, bon, au cinéma, qu'est-ce que je suis con moi. Et j'ai bien aimé, c'était cool. Et puis, le seul truc qui m'a fait chier pour au cinéma, c'est quand t'as besoin d'aller pisser et puis qu'il n'y a pas d'entracte. Alors ça, c'est vraiment chiant par contre. Sinon, j'ai bien aimé, les personnages sont intéressants. Scott Lang est toujours le même. Et j'ai bien aimé les petites références, tout ça, c'était cool, quoi. Le personnage de Kong était intéressant, quoi. J'ai bien aimé. Bon, je vais pas faire comme certains qui disent « Oui, mais il est pas comme la BD. » Bah, si tu veux qu'il soit comme la BD, bah, lis la BD, hein, quoi. Et puis ferme ta gueule après, quoi. Je veux dire, j'ai jamais content, bordel, quoi. C'est comme les fans, entre guillemets, quoi. Oui, j'en fais qu'un, parce que je tiens la tablette avec l'autre main. Bah oui, pas avec ma bite. C'est comme certains qui disent « Marvel m'a déçu. » Putain, mais c'est un film Ant-Man. Tu pensais quoi? Et puis Kong, on va le revoir plusieurs fois, quoi. Et puis, si tu pars au cinéma avec des a priori... Putain, je suis en train de tourner, je vais dégueuler, moi, avec tous les cafés que j'ai bu ce matin. Oui, j'ai des rendez-vous, alors j'ai eu pas mal de cafés. Ouais, bon, d'accord, 3 cafés en une demi-heure, quoi. Ça va, c'est pas plus que d'habitude. Si tu pars au cinéma avec des a priori, ben, tu vas jamais... Tu vas pas apprécier le film, en fait, quoi. C'est ça. Et c'est ça dans tous les films, hein, pas que Marvel, quoi. Je sais pas si c'est très compréhensible, hein, ce que je viens de dire. Et quoi, déjà? Eh, fais chier, soleil. Et quoi, déjà? Attends, j'ai oublié ce que je voulais dire, quoi. J'aurais dû noter. La prochaine fois que je fais une critique, je note, quoi. Ouais, critique, entre guillemets, bien sûr, quoi. C'est joli où je suis, hein. Et j'ai moi, bah alors, c'est joli, hein. Ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire, quoi. Faut arrêter de partir au cinéma avec des a priori. Et puis, c'est du Marvel, tu t'attends à quoi? Moi, j'ai trouvé... Oui, je passe du coq à l'âne, hein, rien à foutre, quoi. Les scènes d'action sont pas mal. Le personnage de Kong est intéressant. L'acteur qui joue le rôle de Kong est trop cool. Putain, faut que j'arrête, quoi. Attends, je vais changer de main parce que... Non, pas. Voilà, comme ça. J'ai la tablette depuis pas longtemps. Alors, je suis un peu perdu, des fois. Tu t'attendais à quoi? Et puis, moi, en gros, je trouvais bien. Pardon, hein, je suis un peu... Vous gérez peut-être le café, moi. Voilà, ça, c'est mieux. Et puis, il dure quoi? 2 heures. Et puis, les deux scènes pré-génériques... Non, pas pré-génériques. Après-génériques. Ouais, c'est ça. Excellent. Quoi, ça. Et puis, c'est bien. C'est comme si Loki revenait au cinéma, puisqu'il apparaît dans la dernière scène post-générique. Ça, c'est cool. Quoi, ça. En tout cas... Et puis, il n'y a pas eu beaucoup de scènes de comédie. Un peu comme Thor 4, toi. Love and Thunder. Enfin, comme les autres. Je vais parler anglais, ça va être cool. Hein, t'as vu, je parle anglais. Allez. Salut. Putain, je suis vraiment... Faut vraiment que j'écrive des textes, moi. Salut, quoi.